Voilà, le réveil samedi matin fut un peu brutal parce que le téléphone s'est mis à crépiter et de fait les nouvelles étaient alarmantes puisque les halles de foire avaient brûlé. On ne savait pas dans quelle mesure. Nous sommes immédiatement rendus sur place pour constater de fait que les halles de foire seraient inutilisables pour le forum et il a fallu d'urgence trouver une solution. Ce qui fut fait finalement assez rapidement grâce à l'intervention de partenaires de l'ASPI Plus notamment et d'un ami liégeois, Christophe Nyon, Et où sommes-nous en fait ici voilà, nous sommes exactement? ici dans un bâtiment qui a été construit récemment. C'est un grand entrepôt qui, à terme, fera 20 000 mètres carrés. Donc, c'était une dimension suffisante pour accueillir le salon. C'est un entrepôt donc, qui va servir à la logistique liégeoise, je dirais, mais qui pour l'instant n'est pas encore utilisé, qui était vide, et qui pouvait tout à fait accueillir le forum. Et ce qui était intéressant, dans sa configuration initiale, on a simplement fait un copier-coller du plan des stands, à peu de choses près, je dirais, et on a pu le réintroduire ici. On a simplement dévié tout le flux des fournisseurs, en les alertant samedi dans l'après-midi, en donnant rendez-vous à dimanche pour un état des lieux ici, et puis alors le montage a pu commencer de manière assez élégante et efficace, puisque le bâtiment est très bien conçu au niveau de l'accessibilité, au niveau du déchargement, son entrepôt logistique. Et donc tout a été même facilité par rapport au passé. Ce qui est peut-être bon, c'est de dire aux internautes qui nous regardent l'endroit exact. Donc c'est sur l'autoroute Voilà, nous sommes Liège-Anvers, à la ici, sortie de Liège. voilà, nous sommes à la sortie 34 de l'autoroute Liège-Anvers. Quand on vient de Liège, il faut bien prendre l'échangeur de Votème. Sinon, on passe outre de Liège à Anvers, c'est la sortie 34, c'est la première sortie dans le parc industriel des Hauts-de-Seine, la Près zone de 3. Texpress Aéro, en Voilà, fait. Millemort, près de Texpress Aéro, près de l'ISPC. Et nous sommes ici à 100 mètres de la sortie d'autoroute, donc c'est très facile d'accès. Alors maintenant, parlons quand même du salon, le salon Forum des entrepreneurs. Comment est-ce qu'il se présente cette année? Mais il se présente bien, et d'autant mieux que ce week-end agité a été aussi l'occasion pour nous de communiquer encore plus sur le salon. C'est la première année, pour sa 25e édition, nous donnions un thème fort et transversal au forum, qui est le thème des matériaux innovants. On vient d'en parler avec M. Mestré. C'est le salon Métamorphose contigu intégré au forum des entrepreneurs. Parce que nous voulions mettre en évidence le thème des matériaux innovants comme un des vecteurs de croissance, de développement d'activité pour la région wallonne et de là de création d'emplois. Et combien de stands aujourd'hui Donc, cette année? voilà, donc le forum accueille plus ou moins 200 exposants et Métamorphose, une quarantaine d'exposants également. Donc nous avons 240 exposants plus ou moins qui sont prêts à accueillir maintenant les visiteurs. Donc les responsables d'entreprise qui veulent ici venir chercher des idées, des contacts pour leurs affaires. Alors le thème, c'est les matériaux innovants, ça veut dire que ça se limite à ce thème-là ou bien il y a quand même d'autres exposants? Voilà, non, bien entendu, le forum des entrepreneurs est avant tout un salon du service et du conseil à l'entreprise. On y retrouve des exposants qui recouvrent l'ensemble de la gamme des services financiers, marketing, communication, secrétariat sociaux, gestion comptable, gestion générale, formation. Et donc on trouve vraiment toutes les sociétés qui peuvent aider toute personne qui est décideuse en entreprise, qui peuvent l'aider donc à créer et à développer son activité. Merci Pierre Luther. Donc je vous rappelle le forum des entrepreneurs qui a lieu non pas au Hall des Foires de Corombeux cette année, mais à Millemort, dans le zoning industriel de Millemort, à la sortie de Liège, sur l'autoroute d'Anvers, à proximité immédiate de l'usine très connue Texpress Aéro. Voilà, en tout cas, Pierre, on vous souhaite bonne chance et nous on se retrouve d'ici une petite demi-heure, trois quarts d'heure avec d'autres invités, et notamment le ministre Jean-Claude Marcot. Voilà, à tout à l'heure.